se passe aujourd'hui, précisément, c'est une journée de mobilisation de collaborateurs du groupe Vivendi et du groupe Bolloré qui se sont réunis pour accompagner une soixantaine de jeunes élèves du collège de Sarcelles. Alors, la thématique a été proposée par Universal Music France. C'est une thématique qui porte sur deux problématiques autour de la promotion d'un artiste. Un, valoriser l'artiste, ses paroles et comment le mettre en lumière sur les réseaux sociaux et comment faire en sorte que son nom rayonne et que sa notoriété augmente. Et la deuxième chose, c'est effectivement quel serait l'événement le plus approprié pour accompagner sa célébrité. J'ai surtout apporté l'idée, le thème à développer, à savoir faire la promotion de l'artiste Asakura, qui est un jeune artiste en développement. Et on a un catalogue qui fait rêver au niveau du rap. Alors il fallait trouver un artiste qui soit assez consensuel, plutôt original. Voilà. Et Asakura vraiment s'est prêté parfaitement à cet exercice-là. L'idée, c'est de favoriser les interactions entre les collégiens et des collaborateurs d'entreprise depuis la 6e jusqu'à la 3e. Les coachs vont pouvoir les conseiller, les orienter, les cadrer, finalement apporter leur expérience. Essayez de le faire un petit peu plus grand. Et un peu simplifié. L'entité qui est à l'initiative de cette journée, c'est la holding du groupe Bolloré. Mais plus précisément, c'est un département qui s'engage en faveur de la jeunesse depuis maintenant 2 ans et qui s'appelle Earth Talent by Bolloré. C'est ce programme ou cette entité qui a créé ce moment en signant d'abord un partenariat avec United Way, l'Alliance Tocqueville, puisque c'est une fusion de 2 associations qui permettent de créer ce genre d'événement. Earth Talent a découvert le projet UWA, en a parlé à la direction qui du coup a décidé de soutenir le programme des filles jeunesse. Donc c'est la première fois qu'on lance une opération de mécénat de compétences ouverte à l'ensemble des salariés. Alors le but, participer à l'action de lutte contre le décrochage scolaire, créer des passerelles entre le monde de l'entreprise et ces jeunes qui n'ont pas forcément les codes. Ils sont vraiment ravis de côtoyer des professionnels. Ils posent pas mal de questions, ils sont très curieux. Là, ils participent à la création de certains projets, donc ils sont partie prenante, ils sont actifs, ils construisent leurs projets eux-mêmes, ils sont coachés et ça ne peut que les aider pour l'avenir. On va commencer une chorégraphie et après, il y aura des participants qui vont terminer la chorégraphie. Il va choisir la meilleure pour finaliser son clip. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui va un peu vous intéresser, vous interpeller ? Alors, je me suis engagé dans cette journée de mécénat pour accompagner l'encadrement d'élèves de 3e. C'est quelque chose d'important de consacrer du temps, de l'énergie, à partager notre expérience finalement, notre vécu. J'ai beau être maintenant en responsabilité, être manager, j'ai commencé stagiaire chez Universal Music, donc comme quoi chacun peut y arriver. Alors cette journée a été intéressante sur 2 points. Déjà d'aider les jeunes de 3e à structurer des idées et surtout d'arriver à les présenter devant un jury. Et 2e point, c'est de collaborer avec d'autres coachs et rencontrer d'autres personnes du groupe Bolloré, ce qui permet de créer un réseau au sein du groupe. Mais je crois qu'au fond, les bénéficiaires, c'est un peu tout le monde. C'est vraiment du pari gagnant-gagnant. L'entreprise, parce que c'est un moment d'ouverture qu'elle n'a pas forcément l'habitude de mettre en place. Et puis, les collaborateurs, ils trouvent aussi leur intérêt, puisque de toute façon, ils sont là parce que l'entreprise le propose, mais aussi parce que eux, ça met du sens. J'ai beaucoup aimé cette journée, j'ai passé un agréable moment avec les coachs, ils ont été de bons conseils et ils nous ont fait passer un agréable moment, ils ont été compréhensifs avec nous, à l'écoute et ils étaient vraiment super. Toute votre vie, il faut la traverser en cherchant à avoir du plaisir. Mais ça n'empêche pas qu'il vous faut travailler dur dans beaucoup de domaines. Merci beaucoup et j'espère avoir le plaisir de vous retrouver un jour ou l'autre. Mais de toute façon, avec du plaisir.